Salut à tous, c'est Fergustone. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fishing Planet. Donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre à pêcher la dorée jaune sur le lac Émeraude. Donc, la dorée jaune qui est là. Donc, je vais vous apprendre à pêcher au leurre et au bouchon. Donc, pourquoi ce poisson-là? Donc, c'est un poisson qui est très très rentable quand on dépasse le niveau 8 car on a accès au lac Émeraude. Donc le poisson rapporte énormément de billets et d'expérience, donc il permet de progresser très rapidement. Et donc sur ce, je vais passer tout de suite au montage utilisé. Donc pour ça, je vais utiliser une canne de 6 kg, mais vous pouvez utiliser une canne de 2 ou 3 kg, c'est suffisant pour ce poisson-là. Donc pour cette canne, j'utilise le montage optimisé, c'est-à-dire une canne de 6 kg, un moulinet de 6 kg et du fil de 6 kg. Comme ça, je peux serrer au maximum le moulinet, ça ne cassera pas. En leurre, j'utilise donc une cuillère étroite X-Series. Donc si vous n'avez pas la X-Series, vous pouvez l'obtenir en regardant la vidéo sur le matériel X-Series que j'ai mis à disposition sur ma chaîne. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller dans la boutique, leurre, dans les cuillères. Donc on va aller dans ces pages-là. Donc vous pouvez obtenir une de ces deux-là. Elles sont très efficaces. Ou alors, il y a celle-là. Donc, cuillère étroite sans ordillon, 7 grammes 1-0. Et la violette. Donc, pour moi, la violette reste la plus efficace pour tous les poissons. C'est le coloris qui fonctionne le mieux, hormis le X-Series. Et donc, pour ce qui est de la pêche au bouchon, donc on va partir sur une canne flotteur. Avec 1,70 m de fond, des hameçons 1-0. Et des petits vifs. Donc ça c'est pour les bas niveaux. Si vous avez atteint le niveau 30, vous pouvez prendre également les sangsues. Donc je trouve ça encore plus efficace. De plus qu'on puisse la ferrer encore plus rapidement. Donc pour cela, on va au lac Émeraude. On va aller au spot du bateau. Donc pour farmer, je vais vous conseiller de vous mettre dans le pic de nuit. Donc c'est là que les dorées sont le plus actives. Alors ça devrait pas tarder à finir de charger. Donc on va aller dans le pic de nuit, donc là où c'est le plus haut. Accélérer le temps. Donc on va commencer avec la canne à leurre. Donc vous avez plusieurs spots, vous avez celui-là. Donc je vais vous montrer une balise. Vous mettez dans le coin à droite du ponton et vous tirez vers cette balise-là. Donc en 65 moins 40 la balise. Vous n'êtes pas obligé de tirer à fond, hein, même pas la moitié, c'est suffisant. Ouais. On peut tirer entre 30, enfin 20 et 60 mètres, ça fonctionnera à mon avis. Donc on peut commencer à animer dans la descente en stop and go le leurre. Donc on va laisser atteindre le fond en l'animant, parce que des fois elles prennent en milieu ou un petit peu en surface. Donc ça a pris presque au fond, enfin entre le fond et milieu. Et voilà, on a deux jeunes trophées. Un trophée ouais, en plus. Donc un petit screen. Hop. Caché. Magnifique. Et pour pêcher avec la canne bouchon, donc on va pas tirer aussi loin. On va simplement tirer à bon, une vingtaine de mètres. C'est suffisant, je pense.
mon avis, ça sera suffisant. Donc, on a déjà entendu un ting, donc pour nous annoncer une touche. Donc, on a directement le poisson. Donc, voilà, on a notre doré jaune. Donc, on peut voir que la technique, les deux techniques sont très efficaces toutes les deux. Donc, pour activer le bruit du flotteur que vous venez d'entendre, vous avez juste à faire échappe, paramètres, audio, et vous avez à activer bruit d'amorce au flotteur, et ensuite de faire appliquer pour sauvegarder les paramètres. Et donc, vous aurez un bruit de cloche une fois que vous aurez une touche sur votre bouchon. Donc voilà. J'espère que ce tutoriel pour pêcher la dorée jaune au lac Émeraude vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça fera super plaisir. Et je vous laisse dans la description de la vidéo mon serveur Discord, donc qui est à la disposition de tous pour avoir des conseils ou des idées de tutoriels. Ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!